Alors, les activités de formation et de cours de l'École Bruant ont commencé en 1975. Et de 2002 à 2005, il y a eu l'élaboration du programme technique collégial qui mène à un diplôme d'études, donc un DEC en technique. Et à partir de 2005, et c'est là que le DEC en technique a débuté, en 2005, et depuis, bien, on a une quarantaine, entre 40 et 50 étudiants dans l'école, et il y a toujours entre 10 et 15 étudiants qui graduent chaque année. Donc, et puis, il y a eu beaucoup d'engouement, et l'engouement est certainement dû, là, à toutes les sphères qu'on touche en lutherie, tu sais, la mécanique, la physique, le travail manuel avec des outils. En fin de compte, le métier de luthier, c'est un métier passion. Aujourd'hui, il y a plus de 75 % de nos gradués depuis les 5 dernières années qui sont actifs professionnellement, soit à Montréal ou en région, et qui pratiquent leur métier. Le programme est devenu une formation qui dure 3 ans. C'est une formation qui est extrêmement complète, qui va comprendre l'entretien, la restauration, le choix des bois, l'apprentissage dans une salle des machines. Et je pense que la formation qui est offerte à Lutherie-Guitare Bruant n'a rien à envier à toutes les autres écoles qui auraient peut-être plus en Europe qu'aux États-Unis. À l'école, quand les étudiants arrivent, ils ont immédiatement un endroit, un espace qu'ils vont s'approprier sur une période de 3 ans. Et c'est là qu'ils vont réaliser jusqu'à 4 instruments de musique. Ces gens-là qui graduent à l'école peuvent faire beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui aspirent à devenir un luthier qui va fabriquer des instruments avec son atelier, tout ça. Mais souvent, les étudiants vont commencer sur le marché du travail, soit en travaillant pour un autre luthier ou soit en s'associant avec 2-3 luthiers pour apprendre le métier et développer une clientèle tranquillement et se faire connaître leur art. Il y a des gens qui vont prendre cette voie-là, mais il y a aussi des gens qui vont prendre des voies plus commerciales, exemple, aller travailler pour un importateur qui reçoit des instruments qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas tout à fait bien ajustés, où il y a des petites retouches à faire. Et alors, il y a énormément de déboucher pour ces gens-là. C'est parce que, justement, on arrive à travailler avec des petits groupes, donc essentiellement, il y a un esprit qui va se créer dans les groupes. Je pense que ça contribue aussi à faire en sorte qu'on conserve les gens, puis motivation aussi. Et d'autre part, aussi, le fait que, justement, d'avoir des petits groupes, ça permet d'avoir un enseignement qui est plus personnalisé. Donc, on travaille essentiellement avec chaque étudiant. En gros, un peu dans la... un peu à l'ancienne, si on veut, maître et élève. Salut, moi c'est Joël Barbeau. Je suis un finissant de 2012 de l'École Bruant. Depuis ce temps-là, je fais de la réparation puis de la fabrication à mon compte. Puis je vais vous jouer une petite chanson. Évidemment, il y a aussi des aspects théoriques qui vont être distribués, soit au cours des travaux pratiques ou sinon de façon magistrale, mais essentiellement, ça se passe de façon individuelle. Donc, on adapte l'enseignement
selon l'étudiant, selon les besoins. Évidemment, il y a toujours un programme à suivre. Ouais. Donc, selon les besoins, on va adapter notre programme. Une particularité des métiers d'art, des écoles ateliers en métiers d'art, c'est que les profs, c'est des artisans de leur sphère d'activité, des artisans professionnels qui consacrent en fait une partie de leur temps sur semaine pour venir ici à l'école et transmettre les connaissances. Tes collègues sont comme toi professionnels, des artisans professionnels, puis je pense que ça, ça contribue, c'est un des gros morceaux dans le succès, puis dans l'engouement aussi des gens. On a une capacité limitée, on ne peut pas admettre plus qu'une vingtaine d'étudiants par année. Je pense que ça aussi, ça contribue à garder nos gens, à conserver le caractère intimiste des classes. Voilà, donc, chaque année, 1er mars, date limite pour déposer une admission, une demande d'admission par le SRAM. Au Vieux-Montréal. J'aimerais rajouter quelque chose qu'on a passé sous silence, c'est le fait que la formation en lutherie se donne également avec le cégep du Vieux-Montréal. Alors, les étudiants qui passent beaucoup de temps ici avec des collègues en lutherie puis des professeurs qui sont de différentes spécialités et origines vont également fréquenter beaucoup d'étudiants qui sont dans d'autres métiers d'art. Et les cours qu'ils vont recevoir durant la formation sont extrêmement variés. Ça va du marketing, la comptabilité. Enfin, ils apprennent énormément de choses durant cette formation-là. Et puis, on est bien heureux de pouvoir offrir la formation de cette manière-là. André! Chris! Arsène! Hugues! Alain! Théo! Dan! Jeff! René! Morgane! Guillaume! Félix, Vincent, Simon, André-Rivier, Yannick, Simon, Tristan, Jean.